Predator Falconer. Du film sorti en 2010, Predator avec un S. Alors c'était quand même un échec commercial, hein, faut le dire. Ça n'a pas été le meilleur non plus. D'ailleurs le dernier The Predator est encore pire. Quoique les Predators sont beaux, à la limite ça va, ça passe. Même le dernier The Predator c'est pas mal non plus. Mais franchement je préfère toujours les deux premiers. Le 1 et le 2. De très loin. Et encore plus le 1 dans la forêt, bon, avec le Schwarzy évidemment. Alors là ça se passe sur la planète des Predators. Il y a des bons côtés. Bon, après ça reste un film voilà quelconque. Hein. On dirait même plus, comme mon père il disait, enfin quand il était encore de ce monde. Il y a des beaux passages dedans quand il voit la planète, les autres planètes, hein, depuis la planète des Predators. Il y a quelques beaux passages, mais après, alors, ça on dirait un gros téléfilm, quoi. Ça fait même pas un Predator naturel, on va dire. Ils ont remis le Predator classique. Bon, il est même plus petit que l'original. C'est pour ça, à la fin de la vidéo, j'ai mis le vrai acteur qui était dans le tout premier Predator, Kevin Peter Hall, qui est décédé en 91, il y a déjà 30 ans, bon bref. Qui faisait 2m20, hein, pratiquement, vous allez voir, de toute façon. Qui avait aussi joué dans Bigfoot à l'époque, dans les années 80. Et eux aussi joué dans un Star Trek, j'ai vu, Predator 2, évidemment. Et c'était pas la même tronche, même les Predators étaient beaucoup mieux faits, beaucoup plus beaux, mais bon. Après, c'est comme ça, c'est... Je sais pas, je trouve qu'ils ont plus... Hollywood, tout ça, ils ont plus les goûts pour faire des films... contrairement à Alien, que je trouve qu'ils sont plus beaux, les derniers films. Il y en a qui ils ont dit que c'était pas... Ah non, moi je trouve qu'ils sont plus beaux que les deux derniers Predators qui sont sortis. Ah si, pour moi ils sont plus beaux. Prometheus et Alien Covenant. Voilà, alors là c'est le masque 1 sur 1 du Falconer qui fait à peu près 2 mètres de haut, hein. C'est pas les mêmes acteurs, ils sont plus petits déjà les Predators, donc bon. À part le Berserker qui est énorme, vous allez voir la photo à la fin, je pense qu'il fait bien 2 mètres 20 le mec, au moins, comme dans le premier. Même le classique qu'on voit dedans, dans le Predator, le celui de 2010, il est plus petit. Logiquement il devrait faire au moins 2 mètres 20, quoi, je veux dire. Enfin minimum 2 mètres 20, c'est pas bien plus. Ouais, dans les 2m30, hein, comme dans le tout premier Predator de 1987, hein, de John McTiernan. Très très bien fait, hein, avec les yeux, tout ça, là. Bah, moi, encore, je dis que même les Predators, je trouve qu'ils sont pas mal faits, mais ça fait un peu caoutchouc dans ce film, hein. Par rapport au premier, hein. Le premier, ça faisait beaucoup plus réaliste, il y avait quelque chose en plus, hein, c'était bien plus magique. Surtout dans le 1, hein. Il y avait quelque chose de plus magique, ça faisait même réel, avec sa mâchoire, tout ça, là, c'est... J'ai trouvé ça hallucinant, c'est quand même 87 au premier, il y a quand même 34 piges, hein, bientôt 35. Et le premier Alien, il y a plus de 40 ans, 42, 43 ans, il est toujours aussi magnifique. C'est des films qui sont toujours magnifiques malgré que le temps y passe. Voilà, celui-là est 2010, vous voyez, 11 ans, bon, 10, 11 ans, mais il ne m'a pas particulièrement marqué. Bon, ça, il y a des bons passages, mais ça s'arrête là, quoi. Et The Predator est encore pire, alors lui, c'est... Il y a des bons côtés aux Predators. Quand il est dans le laboratoire, tout ça. Bon, puis là, c'est beaucoup trop d'effets spéciaux, tout ça. Bon, bref. Le Predator, je trouve en lui-même, dans le dernier film qui est sorti en 2018, je trouve qu'il est pas mal. Bon, après, le costume, tout ça, faut voir. Il y en a qui n'ont pas aimé. Je trouve que la tête, elle est pas mal non plus. Mais c'est pas ça, quoi. Je veux dire, le dernier film, c'est encore pire. L'échec. Je crois que le dernier film, l'échec commercial, est encore pire que le Predator qui est sorti en 2010. Là, c'est un désastre. Donc là, ils sont en train de relancer la carte de The Predator, enfin deux Predators, un Predator 5. Logiquement, c'est Disney qui rachète. Je sais pas s'il est en train de tourner, je sais pas. Alors, il y aurait une sorte de procès avec Schwarzenegger et John McTiernan du premier film, qui sont en train d'attaquer, évidemment. Comme quoi, c'est pas Disney qui devrait reprendre tout ça. D'ailleurs, je pense qu'ils sont en train de reprendre aussi les films aliens de Disney pour en faire des séries. Bon, après, ça peut donner un très bon truc. Hein. Ça se passe au temps des Mayas ou des Amérindiens, je sais plus trop. Bon, bref. Bon, le dernier Predator qui va sortir. Ça peut être intéressant parce que dans le premier Predator, il y avait le. Malheureusement, qui est décédé aussi, l'Indien. Qui jouait le rôle de l'Indien, je veux dire, avec sa grande machette, que j'ai déjà montré sur mes vidéos. Donc, le côté Indien ou Maya, à la limite, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Peut-être que ça va remonter le truc, hein, parce que c'est vrai que ça s'est dégradé. Alien Predator, c'est encore autre chose, je peux pas non plus. Bon, bref. Mais je trouve que les aliens et films aliens, ils tiennent beaucoup mieux la route que les films Predator. Mais ça, c'est mon avis personnel. Voilà, c'est pour ça que je préfère toujours les deux premiers Predator, de très loin. Et encore plus le premier. Et dans les films aliens, j'adore le premier. Plus que celui de James Cameron. Et oui, pour moi, oui, je préfère. C'est côté ambiance, c'est côté tension. Angoisse, stress, il y avait quelque chose de magique
dans ce film-là, hein, même dans le premier Predator. Il y a quelque chose de magique, bien plus magique. Voilà, c'est ça qui faisait des frissons, c'est ça qui a cartonné aussi. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est tout. 30 ans, 40 ans après, on s'en souvient encore. C'est ça qui est juste hallucinant. Bon, après, c'est comme ça. Hein. Alien 3, bon, alors Alien 3, il est pas mal. Alors, les effets spéciaux, ils ont mal vieilli, malheureusement, mais il est vraiment pas mal non plus. Mais ça. Bon, alors, l'Alien Dog, j'adore l'Alien Dog, c'est comme la reine Alien, j'adore. Et le premier Alien classique, j'adore. Après, le film en lui-même, Alien 3. C'est pas le pire, Alien 4, ce que j'aime bien, c'est le côté hybride. Hein. Encore une fois, il y a une histoire ufologique hein, dans ces films-là, hein. Même dans les Predators. On commence aussi à cloner des humains avec des Predators, bon ça commence, dans le dernier film qui est sorti, 2018, The Predator. Mais non, bon, pour moi, les deux Predators les meilleurs, c'est les deux premiers, et les deux meilleurs Aliens, pour moi, c'est le 1 et le 2. Voilà. Et il y a aussi Prometheus que j'ai vraiment adoré, il y a le côté ufologique, magnifique. Alors, tout ça, je remettrai tous les liens à la fin de Predator, tout ça, tous les films qu'ils ont tournés, bon bref. Malgré que plus qu'ils font des suites, plus que c'est de pire en pire, ça va. Malheureusement. Quand est-ce qu'ils vont faire des Predators femelles? J'ai toujours pas vu des Predators femelles. Jamais, c'est toujours des mâles. Ça peut être intéressant s'ils ont. Enfin, s'ils sont en train de faire le nouveau Predator, à ce que j'ai bien compris. Ça peut être très intéressant. Alors là, c'est sur Etsy.com. C'est un vendeur, je crois qu'il s'appelle le 777. J'avais déjà montré celui d'avant, hein, je ne sais plus lesquels, les deux premiers de Alien contre Predator, le 1 et le 2, le Wolf, mais le premier, le Predator Scar, et là c'est le Falconer. Magnifique masque aussi, j'adore. Voilà, mais c'est vrai que ça s'est dégradé, hein, il faut le dire, c'est comme les Terminator, hein, si tu regardes Terminator le dernier, c'est une reprise du 1, du 2. Et encore une fois, c'est un mélange de tout. Le tout dernier qui est sorti, hein, le dernier Terminator. Et c'est pour ça qu'au box-office, il s'est cassé la gueule aussi. Mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Après, il se rattrape pour des vidéos, produits dérivés. Ah bah ouais, ça, forcément. Là, c'est un fabricant en particulier, c'est pas pareil. Hein. C'est pas un produit dérivé. Donc, bon, après, il faut espérer que le dernier Predator soit vraiment bien. Voilà. J'aime bien parce que ça fait comme une grosse bosse, là, je sais pas quoi. Là. C'est costaud, là. Il a vraiment bien fait. Après, comme je dis, c'est un fabricant particulier. Bon. Mais d'ailleurs, il n'y a plus. Alors, sinon, on peut retrouver ça sur Etsy.com, qui est un très bon site. J'ai déjà commandé plusieurs fois dessus des fabricants particuliers. D'ailleurs, je recevrai bientôt une pièce monumentale, fabricant particulier, avec un alien mural. J'ai jamais vu ça. Je vous dis, c'est une pièce monumentale. Voilà. Elle est unique la pièce, hein. Il y a dû en vendre pas beaucoup dans le monde, elle est unique, hein. Peut-être 5 ou 10, je sais pas combien, mais elle est magnifique. Et c'est même pas un produit dérivé, et c'est même très très beau. Je vous dis, la pièce est très très belle. J'ai jamais vu une pièce aussi belle, l'Alien comme ce qui sort du sort de cadre, je sais pas quoi là. C'est... Enfin, vous verrez ça plus tard. Non, le film de 2010, il passe beaucoup mieux que le dernier qui est sorti en 2018. Hein. Ouais, regardez la masse. On a toujours voyé, oui. Énorme. Faut oublier que c'est un mec qui fait au moins 2 mètres dans le costume. Hein. Plus ou moins 2 mètres. 2 mètres de haut. Hein. C'est sur de gens qui font du basket, j'en sais rien. Bon, bref, ils sont géants. Moi, je suis 1m90, donc bon. Et le Berserker, il est énorme, je crois. Je l'ai lu en buste 1 sur 1. Moi, je le trouve magnifique, je le trouve moche, je le trouve beau. C'est sa couleur rouge, tout ça. Il est même plus beau en buste que dans le film, pour vous dire. Et le dernier, le Predator Berserker, il est énorme. Vous allez voir la photo que je vous ai mis à la fin du tournage. Je sais pas combien il fait, le mec, mais il est énorme. Dans les 2m20 ou 30, il est juste hallucinant. Bon, après, c'est comme ça. Après c'est les goûts. Hein, mais... Bon, tout ça, ils vont faire des nouveaux aliens. Un nouveau alien de Ridley Scott, j'espère que ce sera encore lui, parce que je voudrais pas que ce soit un autre. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas aimé les deux derniers, moi j'ai bien aimé, donc c'est tout. Un peu moins Alien Covenant, ça commence à me décevoir. Beaucoup plus Prometheus pour son côté ufologique, ça c'est un truc qui m'a fasciné. Parce qu'il y a beaucoup, de passages au début du film, c'est ufologique et sont authentiques, avec les 7 planètes, tout ça, je sais plus quoi, bon bref, ça je ne savais même pas, je l'ai su après. Ridley Scott est passionné d'ufologie aussi, il faut pas oublier. Enfin quand même aussi. Pour ce côté ufologique, il y aura un nouveau alien, ça c'est sûr, après Prometheus, Alien Covenant. Il y aura peut-être un Alien 5, mais le projet a été abandonné, c'est dommage, ça aurait été encore une plus grosse attente. Alors là, Alien 5, ça aurait été encore mieux. Alien contre Predator, je ne pense pas, trop.
et il va avoir un nouveau Predator. Et il va avoir aussi Alien en série. On n'en finira jamais. Voilà. Je coupe là. Non, dans l'ensemble, le Predator qui sort en 2010, moi je l'ai trouvé pas mal. C'est celui-là justement, c'est celui que je viens de vous faire là. Ici. Ouais. Moi je l'ai bien aimé, bon après c'est pas le plus beau, c'est sûr, mais il y a des bons passages. Même à côté de Predator 2, Predator 2 il est bien meilleur que celui-là. Mais bon, il est pas dégueulasse. Si je devais mettre une note sur 10, je mettrais 5, 6 maximum. Voilà, je mettrais pas plus. Le 2, je mettrais 8. Et le 1, je mettrais 10 sur 10, pratiquement. Le 1, c'est ça. Si je mettais The Predator en classement, je mettrais 4, 3. Bah oui, malheureusement, si. C'est la note. Il y en a, ils mettraient 0 carrément. Vous voyez, je suis peut-être pas encore si sévère. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon film. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Adrien Brody. Bon, c'est pas Schwarzenegger. On est loin. Hein. Ça m'a fait un peu rire. C'est pas le même carré. Les tournages, tout ça. Bon, comme ça. Mais c'est vrai qu'ils auraient dû. Je sais pas tout faire là. Moi. Et je pensais qu'il allait être mieux que ça. Quand j'étais parti au cinéma, c'était en 2010, je pensais qu'il allait être plus beau que ça. J'étais un peu déçu quand même ce film. Mais bon, il y a des bons passages. Malgré tout, il y a quand même des bons passages. Mais on va dire qu'il est moyen. Quoi. Il est moyen sans être trop beau. Voilà, ça j'aime bien. Voilà, le Berserker, il est là. Magnifique. Predator Berserker. Je l'ai en buste 1 sur 1. Il est énorme. Il est même plus beau que dans le film. Énorme. Et là, le classique, il aura petit C, logiquement, il est plus grand. Si je compare avec les premiers films de. Avec Schwarzenegger et dans le 2, avec Danny Glover, il était beaucoup plus grand. Mais... Comme quoi, tout est rapetissé et dernière à dire, bah, ça rapetisse, donc c'est moins bon. Quoi. C'est, voilà. C'est un peu la logique, hein, sur le coup. Voilà. Voilà, je vous mettrai plein de liens de photos à la fin, vous allez comprendre. Puis tous les films qui sont sortis, Alien Predator, Predator, Alien, Prometheus, Alien Covenant, bref. Donc à mon avis, il y aura encore au moins 2-3 suites de films de Alien et Predator. Hein. C'est pas fini. Hein. Puis les séries Alien. Puis peut-être, il faudra peut-être des séries Predator. Allez, ça va. Ouais. Je sais pas. Je coupe là, merci, à bientôt. La prochaine pièce va être juste énorme. Je vous mettrai un petit lien de toute façon après par la suite. Je vous dis, c'est énorme. J'ai jamais eu une pièce comme pareille. Jamais. Magnifique. Fabricant particulier, d'ailleurs, c'est un studio. Laborati FX, je crois, un truc comme ça. The Laborati. Laboratory FX, un truc comme ça. Donc, j'en mettrai le lien plus tard. Et je suis franchement content de l'avoir parce que là j'ai fait le coup. Je coupe, merci. Voilà. A plus.